Seigneur, on va construire comment? La Jose Mokolombango. Attends, pourquoi il ne m'a pas dragué? Mon frère, s'il te plaît. Hein? Moi? Oui, toi. Pourquoi quand tu es passé, tu ne m'as pas dragué? Moi, je suis quelqu'un de réaliste, hein. Quand je te vois là, je me vois, il n'y a pas le niveau, ma chérie. Donc, je sais que toi, c'est les sugar daddy, les gens qui ont des voitures, là, je suis à pied. Mais pourquoi tu m'en suis? Un homme fin, là. Non, je sais, mais dans la vie, il faut reconnaître ses limites, donc... Mais drague-moi. Ah bon? Donc, il n'y a pas... Tu peux quand même passer ton numéro de téléphone, comme ça. T'es malade. Tu me demandes mon numéro, pourquoi? Mais tu m'as dit que je pouvais te draguer, non? Ça veut dire que je te donne mon numéro. Mais draguer, là... Hé, hey, hey, s'il te plaît, tu m'arrêtes ça. Qu'est-ce qu'il y a à peine de se passer là? C'est pas une petite définition. Produit cosmétique. Produit cosmétique, savonnette. Savonnette, mon frère, bonjour. Bonjour. Savonnette, produit cosmétique et tout. Peigne et tout, pour brosser là-bas, pour peigner là-bas. Ça va te peigner, mais... Oui, ça va te peigner. La savonnette, c'est quoi? Ça là, la savonnette, tu veux la savonnette là? Ça là, c'est d'abord, un, c'est même pas cher. C'est juste 200. Ça là, quand tu prends ça, c'est déjà utilisé, frère. C'est pas utilisé, c'est comme ça que c'est. Ça va, ça là. Tu prends ça. 5 secondes plus tard, tu rentres dans la douche. Quand tu ressors, tu deviens beau comme jamais. Le teint là, ça change. Pourquoi toi, tu n'utilises pas ça là, toi? Non, moi je ne veux plus. Regarde le travail qu'il fait. Sinon, tous les jours, je vais devoir marcher avec ça. Je vais me frotter. C'est que c'est combien, hein? 200 c'est moi, frangin. Si tu as même 150, tu me donnes. Ouais, 150. Ah, possible. Donc, passer ici, 150, tu me donnes. Merci, du courage. Hein. Non, tranquille. Tu quoi, n'oublie pas, tu rentres seulement 2 secondes, tu ressors. D'accord. Tu es dedans. Produit cosmétique, savonnette. Oh. Attends, depuis le matin, c'est à l'heure là que toi tu décides d'arranger les choses. Tu sais que non, je suis fatiguée et tout. C'est comment? Ça, c'est quoi? La liste des fournitures de l'enfant. 3 balais, un paquet de pointe. On demande ça à la maternelle maintenant. On demande ça. Tu sais, j'étais plus la semaine, là quand je venais. Désolé, ça fait quoi? Il m'a dit que non, ça arrange le teint bien propre là. Ouais. Et c'est clair, en tout cas c'est clair, si ça en gros, je sais pas. Ça n'a même pas le nom. Je ne connais pas, fraude seulement. Okay. C'est un bon truc. Comment on va faire comment? Et puis il faut m'arranger ça après, la maison ne peut pas être jusqu'à là, ça comme ça. Ah, c'est quelle histoire ça? 2 torches indigènes. Servir. Mais depuis qu'on demande tout ça là, voilà. À la maternelle. Oh. Mon Dieu! Tu te laves avec quoi? Tu te laves avec quoi comment? Les savonnettes que tu as apportées? Quelle savonnette, mon Dieu! Tu te laves avec quoi? Quelle savonnette comment? Tu as apporté un savon tout à l'heure? Quelle savonnette? Tu veux de quelle savonnette? Attends. Oh là là! Tu fais quoi là? C'est la savonnette là? Mais c'est ça? Ah? C'est ça la savonnette que tu as portée, non? C'est celle-là? Mais tu fais quoi là-bas? Mais. Oh, Seigneur! Tu fais. Oh! Oh, mon Dieu! Ah! Avec les enfants là, c'est que forcément, ça va se gâter là-bas. Si je ne m'apprête pas là. Si je m'apprête pas, parce que eux, petit truc, tout le monde se fâche, Celui qui s'amuse un peu aujourd'hui là, j'ai fait n'importe quoi tout le monde. Je vais aller me changer, mais ça au moins, ça sera bon. C'est pas pour le ballon d'or. Oh non, tiens, ballon d'or. Oh les gars, c'est le bruit. Pourquoi t'as pas du foot, toi tu dois téléphoner, frère. Attends, tiens, Fangin, Non, regarde, Cristiano, 49 plus. Cristiano, 49 plus. Tu peux me faire quoi? Frangin, attends toi. Non, il peut me faire quoi? Ne me touche pas. Qui d'abord? Non, attends, mais c'est quoi? On est pas d'arriver là. Est-ce qu'on arrive? Est-ce que nous sommes arrivés là? Attends, là-bas.
Mon Dieu! Il est au sel. Vous parlez pas. C'est bon. Vous avez parlé de quoi? Non, c'est bon. C'est qui le meilleur joueur? Non. Vas-y, votre ami là, c'est qui le meilleur joueur? Non, c'est bon. Super bon. Toi, tu bougeais, non? Non. Parce que toi, tu bougeais pas. Non, moi, j'étais juste dialoguer. Tu parlais avec ça? Non, mais toi, tu parlais pas. Est-ce que les bébés, si on est bébés? Ouais, toi, tu fais quoi? C'est Messi. Je vais t'abonner. C'est Messi. C'est Messi. Enlève le t-shirt que tu as là. Enlève ça. C'est Messi. Non. On n'est pas obligé de. Chacun peut donner son point de vue. Sur la station, je vais. C'est qui le meilleur joueur de la planète? C'est Messi, tout ce que tu veux, c'est Messi. Alors, laisse-moi partir, s'il te plaît. C'est Messi, même le plus grand président du monde, c'est Messi. Il va falloir noter ça. C'est pas une petite définition. Junior. Oui, papa. Je suis là, tu viens me voir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je voulais qu'on puisse parler homme à homme. De ma femme. Ça, c'est quoi? En tout cas, ça dit que je te donne une liste de fournitures. Tu n'as pas vu mes lunettes? Non. Les lunettes, là, je laisse ça souvent là. Tout le temps, mes lunettes sont là. Tu sais que je suis déplacé. Mais tu sais que je souffle les yeux. La liste de fournitures. Mm-hmm. Liste de fournitures, première année, c'est le CP1, non? 16 cahiers, travaux pratiques, 375 pages. Tu souffles quoi, toi, avec 16 cahiers? Hein? Moi à l'époque, comment j'apprenais? Moi à l'époque, j'allais avec un seul cahier. Et même pour étudier, on n'avait pas vu l'histoire de lumière, là, la facilité que j'ai aujourd'hui. Nous, c'était l'éclair. Quand l'éclair fait boum! Tu vois, moi, tu révisais deux pages. Une rallonge. Vous avez fait quoi qu'une rallonge? Deux torches indigènes. Mais deux torches indigènes, comment? Vous avez fait quoi qu'une torche indigène? Ça dit que c'est pour créer mon avenir. Je peux créer ton avenir. C'est une école de magie ou je sais pas c'est quoi. Deux torches, une ardoise, un paquet de craie, c'est ça, de craie. Un sac à table, bosse d'éclair. Un PC. Ta maîtresse là, elle est de quelle ethnie? Hein? Elle n'est pas franc. Elle est pour nous. Tu es sûr qu'elle est pour nous? Non, elle n'est pas pour nous. Je suis née pour nous, on ne pas ça. Un mini frigo de chambre. T'as plein de vie. Ça, faut pas que le frigo de chambre à l'école. Vous n'avez pas une cantine là-bas. Vous ne mangez pas là-bas, il n'y a pas la récréation. Moi, quand je partais, c'était un tubercule que je mangeais pendant même une semaine. On n'avait pas tout ce que vous avez là. Et j'allais à la nage. Moi, j'apprenais à lire à Pont-Gentil, je restais sur Libreville. Chaque matin, je partais à la nage sans mouiller un seul cahier. Toi, tu as la facilité, le chauffeur vient te prendre. Ça devient quoi? Trois sergents. Vous allez faire quoi avec les sergents d'école? Pourquoi les enseignants d'aujourd'hui sont comme des fous? Je ne sais pas. Toi, tu as fait quoi? Trois sergents à l'école. C'est bon, tu peux partir. Je vais terminer la liste là, tout à l'heure. Ta mère n'est pas encore en train? Non. Repas. Lundi, le feu de manioc. Mardi, spaghetti. Mercredi, la queue. Mais la queue, attends, moi je comprends pas ça, c'est quand ils ont l'école ça. Que non, chaque jour, c'est tes enseignants qui doivent décider à quel moment c'est qu'on doit apporter. On a vu ça où? Jeudi, le niveau. Ça devient quoi? Demain matin, tu dis à ta méthode que je viendrai là-bas. Tu comprends? D'accord, papa. Ça, c'est quelqu'un histoire. Deux comptes, trois sergents. Ça ne va pas. Et puis, l'école là, je vais complexe scolaire Timothée. Ça, c'est quelqu'un l'école. Mais tu parles, je ne sais pas, même ça.
Là, je viens à peine de me réveiller. Je tente de snapper ma baie vitrée. Voilà. Avec vue sur arbre. 100% naturel. Voilà. Et j'avais envie d'écouter la musique comme chaque matin. Je suis allé mettre Spotify à l'abonnement premium. Je suis allé mettre Asake. Tout le monde sait que j'écoute beaucoup Asake. Voilà. Sur ma TLC Android 55 pouces. Acheté à le merci il y a quelques jours. Après, j'avais un petit creux. J'ouvre mon frigo. Tac! Je regarde le frigo. Le frigo me regarde. On s'est regardé. En tout cas, le frigo était propre. Hein. Le frigo était propre. C'était vraiment propre. Et puis j'ai fermé le frigo. Après, je suis allé à la douche parce que je voulais me laver. J'arrive à la douche. voilà, je reste dans le canard. Hein. Je reste dans le canard. Bref. Après, je suis allé repasser mon t-shirt Marvel Wakanda by Celio. Voilà, c'est pas les choses que vous allez voir n'importe qui. C'est brodé au fil par un aveugle avec la main gauche. Nous sommes que trois à voir ça ici au Gabon, moi et plus de personnes. Voilà, c'est pas des choses que vous allez voir n'importe quoi. Bad. Voilà, c'est de la marque. Quand je voulais partir, et puis tac, je tombe sur l'essentiel, la base. J'ai failli partir sans la base, j'ai failli oublier la base. J'ai récupéré la base, après paf. Tout homme qui se respecte doit toujours faire un dernier snap avant de sortir de chez lui. Genre, dernier snap avant d'aller tromper B. Là, on était là sur le site. Voilà, team avec ça, je suis bizarre là. Mavioga avec son polo serré. Okulu manager, Jerry Reed. On a dit tout en noir. Le gars a sorti ça de la tête aux pieds. Attends, que le luxe, beaucoup le luxe, mon gars. Là, c'est Ciel qui a apporté la nourriture parce qu'on a demandé aux filles d'apporter à manger. Voilà. Là, c'est Jesse Mindo. 40 buts en 4 matchs. Le gars est trop bon. Le Real appelle. Il jette le téléphone. Chelsea bip. Il pète le téléphone comme ça. Tac, tac. À ce côté, Eric. Il est en train encore des faits dans un coma. Il faut avoir un gorille, nous donner les cours. Comment il faut avoir un gorille, machin. Tac. Il a failli encore nous blesser. Celui-même, le Jack Mboe. Je ne sais pas qu'il a menti qu'il avait les lèvres roses. Bref. Comme vous avez pu le constater, on a fait une petite cérémonie entre nous. Voilà, c'était l'anniversaire des États, c'était le 17 août. Bon, là, je fais une petite fête comme ça en différé entre nous sur le site de tournage parce que chez nous, il n'y a pas de complexe, chez nous, il n'y a pas de luxe. Voilà, on est tous tranquilles, on est tous simples. On a fait ça sur le site de tournage parce que on aime être là, sur notre environnement, on aime ça. Voilà, là, c'est la chaussure du patron lui-même. Allez, si j'ai capturé ça, je vais aller voir le prix. Attends, c'est fort. C'est fort. Après, les filles sont venues. Là, c'est Dalina. Et Dalina, ensuite, Cheryl. Cheryl, ensuite, elle-même, The Style. Elles sont arrivées. Et la fête commence. On va vers la table là-bas. Soyez chaud. Invocation. Qu'il éloigne vos ennemis et qu'il passe de vos marchepieds. Mais surtout, qu'il vous remplisse. Qui remplissent votre cœur d'amour et de partage. Voilà, là c'était Shane qui était en train de bénir le repas, l'amour et le partage. Il nous dit ça, il nous apprend ça tout le temps. Là c'est moi-même, frangin. Peut-être 5 ou 6 kilos, hein. Je crois même 8. Oui, kilos que j'ai pris comme ça. L'effet de manioc. Ta, j'ai charge, frangin. L'effet de manioc, tu l'aimes. Je suis dit non, frangin, il termine pas. Il dit que frangin, calme-toi, c'est comme moi, j'étais là le premier. Après on a terminé sur le site, on est parti au Cap. Là j'étais avec Shane, j'étais dans un état. On est parti pour terminer la fête en famille. Là, on était entre nous, quelque part, voilà, en famille, pour un dernier truc pour la route. Merci d'avoir regardé mon blog. À la prochaine. Bisous au front. Tiens, alors. Ça, c'est quoi? Allô? Ça, c'est quoi? Allons, maman. Sinon, tu sais que tu peux me tenir. Moi? Moi, tu peux me tenir. Moi? Tu peux me tenir. Moi, je te soulève. C'est moi. C'est bon, ça va? T'es réveillé? Allons. On part pour un troisième mot, mon cher. Mon Dieu! On y va! Non, c'est bon. Allons. Oh là là! Non, c'est bon. Prince! Prince, y'a quoi? Elle part chez elle. Maman, libère! Maman, sors, il te demande de sortir. Mais il n'y a pas de problème. Regarde, il t'a demandé de libérer. Tu as dit quoi?
dit que tu peux. Depuis là, on est là-bas, il fait qu'il me fait. Qui a dit que tu peux nous? Troisième round. Allons-y. Regarde, maman, regarde. Attends, moi, je vais assumer le troisième round là. Amène-moi. Amène-moi pour prendre la reste tranquille. Okay. Alors, vas-y, allez-y. Allez, allez, au secours. Non, mais attends, 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 s'il te plaît. Attends, attends, attends d'abord. Attends. Viens ici. Oh, y a qui? Je n'ai pas de problème, Jean. Je n'ai pas de problème, je ne peux pas. Tu vas voir ça. Il y a des blagues, il y a des limites. Qu'est-ce que vous voulez, non? Je n'ai pas de problème. Je ne blague pas. On veut que quelqu'un monte avec moi. Je n'ai pas de problème. Quelqu'un monte avec moi. Je ne peux pas. Les blagues, on est je t'écoute. Fais vite, fais vite. Attends, je vais trouver quelqu'un pour toi. Attends. Ok, attends. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est le candidat. C'est lui, c'est lui. Il faut se rater, c'est que tu fais les blagues, on est venu, tu comprends? Tu m'as pas dit ça? Le cardio. Oh. Y'a quoi? Oh! Arrêtez, arrêtez. Allons-y. Franchin, tu étais là. Comment tu fais pour te retrouver ici? C'est monsieur Roméo. Monsieur Blanc, ne filme pas ici, Franchin. Non, c'est une surprise. Non, même si c'est une surprise, vous ne pouvez pas venir. C'est une surprise. Les gens sont tordus. S'il te plaît, fais descendre la cataque alors. Non, non, non. D'accord, il n'y a pas de surprise. C'est quelqu'un de proche qui nous a contacté pour vous offrir ce cadeau. Mais ce n'est pas mon anniversaire, vous êtes trompé. Mais oui, personnes. Vous avez eu une promotion, non? Oui, oui. Oui, c'est quelqu'un qui nous a contacté pour vous offrir ça. Mais avant d'ouvrir ce cadeau, il faut d'abord nous donner le nom de la personne. Vous êtes sûr que c'est chez moi, ça? Oui. C'est bien ici au bureau MD. Ouais, ouais, c'est moi. Oui. Oh. Allez, attends. Non, je connais ça, c'est madame, c'est elle qui a fait ça. Parce que moi, on a discuté il y a deux jours. Elle se dit, dans le nom, t'as dit dans le nom. C'est comment? Oui, il faut donner le nom. C'est ma petite amie, je connais. C'est elle qui a fait ça. Mais on veut le nom. Naomi, non. C'est elle. Oui, effectivement, c'est elle. Voilà. Maintenant, il faut aimer cette personne parce que quand je vous offre un cadeau vraiment cher comme ça. Non, je l'aime. Oh, là, c'est ma femme. Ouais. Merci. Quoi, bon? Maman, merci. Merci, merci. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes bien chez Monsieur Roméo MD, c'est ça? Oui. Ok, nous sommes le service traiteur Surprise & Co. Et nous venons de la part d'un proche à vous. D'une femme qui vous aime, de votre amour, celle qui est en flamme. Vous pouvez d'abord couper là-bas. Non, on ne peut pas couper, c'est un cadeau. Coupez d'abord la vidéo, j'ai déjà besoin de en direct, monsieur. Hein? Donc, je disais, je viens de la part de votre amour, celle qui enflamme votre vie. Non. Comment c'est l'enflamme ta vie? Ça, vous êtes trompé de personne. Dans le quartier, il y a quatre Roméo. Vous avez dit que vous êtes Roméo MD, non? Roméo. Roméo MD. Non, Roméo. Oui, Roméo, c'est ce que je viens de dire. Oui.
Voilà. Et d'abord, faut qu'on voit la caméra là-bas. S'il vous plaît. Là-bas, pour voir la caméra, mais tu veux me donner ce que c'est forcé de prendre le présent. Je dis, on est en direct, frère. C'est comment? Écoutez, je vous dis, on parle de votre amour là. Elvira, c'est ça, non? Je ne connais pas Elvira, mon frère, pardon. Ça, c'est le problème. Madame, merci, il faut que vous fassiez. Je sais que vous faites Elvira. Oh, et puis là, ton cadeau, c'est pas ici. Oh, waouh. Monsieur. Monsieur Roméo. On a dit avant lui, voilà, le mot il est là. Alors, je te dis que ce n'est pas ici, tu insistes pourquoi? C'est comment? Ce n'est pas ici? D'accord, c'est comment? Oh, je suis sorti par alors, le bâtiment, ça me donne. Bon, dans tous les cas, vous allez vous expliquer avec votre chéri. Néanmoins, le cadeau il a été mis. Laisse ça, non, laisse ça. J'espère. J'étais à me dire que tu me filmes pourquoi? Après, il dit attends, je m'arrange. Tac, le boulalou des filles pour nous. As le pied du patron, le Shane Brighton. Il n'aime pas les photos et les vidéos. Là, c'est ma vega amour. Il est toujours sa vie, il est tourné avant, je ne sais pas pourquoi. là, c'est chéri, il disait que tu me filmes pourquoi. Ça, c'est Chanel, le photographe de la production. Il drague tout ce qui bouge. Boum, oh, tu veux nous blesser, frangin. Là, c'est le Jack Mboa. Il aime faire l'avantage. Il est tenté de gonfler avec son techno. Là, c'est Tim, le Benjamin de la famille, celui qui filme souvent les vidéos quand le patron n'est pas là. En tout cas, il est en mode formation actuellement. Là, c'est le manager Jay Rawild. Il filme son dos. Là, c'est moi-même, je suis en train de manger un côté super extra gauche que j'ai piqué dans l'assiette de quelqu'un. C'était super bon, avec du piment et tout. Là, c'est tonton Eric. Il est tenté de conspirer sur un gorille. Comment ouvrir un gorille, là? Là, le vieux Zinga, il me dit, c'est comment? Là, il revenait de chez le gardien, il est parti prendre une tasse de tisane. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu le papa la vie. Toujours avec le même visage, le même bureau. Là, tu voulais l'arracher la tisane. Là-bas, c'est comme ça, on embête tout le monde. Si tu n'as pas la force, tu démissionnes. C'est le démissionné. Là, ce sont les voitures de la production. Voilà. Là, c'est la voiture du patron lui-même, Sean. Anita, la voiture, on l'appelle Anita. Voilà, c'est son bébé. Ça, c'est la voiture de Jack. Je ne sais pas comment les pieds arrivent au pédale. Bref, c'est sa vie. Ça, c'est la voiture de Dominique, la grosse, la celle qui m'a attiré de 8000. Ça, c'est la voiture de The Style. The Style. Ça, c'est la voiture de ma vieux gars. Le costaud, là, celui qui a le visage à Marie, là. Voilà. Quand il est dedans, ça roule un côté. Ça, c'est la voiture de Kulumanaja. Bon, il a 8, hein. Ça, c'est la première. Ça, c'est Rodrigue, le plus serviable de la production, même si tu l'envoies en Tommy pas à pied. Ça, c'est Dalina. Je ne sais pas ce qu'elle faisait chez le gardien là-bas. Elle est partie prendre chez la tisane. Ça, c'est la voiture de Alfred. Bon, le véhicule, autant pour moi, la moto d'Alfred, le maçon de la chaîne TV. Voilà, ça, c'est notre site de tournage qu'on voyait. Il y avait la pluie. Là, il y avait un peu la pluie, mais bon, on attendait que ça se calme. Et on est en construction. Là, c'est Tim. Le chef est en train de créer sur lui. Fais comme ça, là. Pourquoi il apprend encore à filmer? Il s'en sort un peu. Même s'il est boulé, il n'aime pas écouter. Là, il est en train de filmer les gars. Là, après, c'était un petit moment de détente. Voilà, il fallait un peu... Bon, c'était une vidéo, mais après, ils ont beau faire une pause jeu. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis le meilleur à ce jeu. J'ai présenté le Gabon 8 fois en Chine. Voilà. Là, après, on a fini le tournage. C'était la séance de travail. Chaque jour, quand on vient, on travaille. Ou bien après le tournage, on travaille. Donc, on tente de travailler tous ensemble sur des vidéos. Et Chérine est tenté d'expliquer quelque chose. On tente de l'écouter, même si on avait faim. Ma vieux gars avait faim. Jack déjà avait la faim. Marie aussi avait déjà la faim. Tout le monde avait la faim parce qu'on voulait rentrer. Mais c'est le travail. Et il y en a celle qui était chez le gardien là. Au coup, le manager Jerry Rawild. Voilà. On tentait d'écouter ce que Cheryl tente de raconter. Là, c'est lui-même, Jesse. 40 buts en 4 matchs. Là, on a fini le tournage. Tout le monde rentrait. On partait déjà à la maison. Celui qui est devant, c'est le patron. Voilà, toujours à la tête. Le leader, on rentre déjà à la maison avec la boule. Le manager me disait qu'il faut pas me filmer. Oh. Là, c'est Mario et moi. Voilà, ça, c'est la moto du grand Rasta. Depuis un moment, j'ai tué ça mal. Oh, hello, go. C'est la moto. Hey, là, c'est Jack et Nzinga qui partaient. Déjà, ils ont pris la route. Là, c'est les gars, ils ont dit que c'est comment. Il n'y a pas un truc là. Les gars, il n'y a pas un truc pour la route. Je sais, vous voulez venir s'incruster. On a dit non, 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 pas. Elle a dit ok, c'est bon, la chasse, elle est partie. Tranquille, c'est, elle dit, c'est pas grave, je choli. Ah, c'est Chanel qui disait que non, oh, mais venez, non. Là, c'est manager qui partait déjà. Ensuite, Dominique, voilà. Dominique, ça qui m'a checké par son de 8000 chaque jour. Là, elle partait. Elle démarrait, elle rentrait déjà chez elle, fatiguée. Mais c'est le travail, c'est le travailler.
Ah, c'est ma vocale, je disais que grand rien un peu, fais un peu un truc pour les fans. Après, elle m'a fait ya, big up, ya, il pense que non, c'est un dos. N'importe quoi. Là, c'est lui-même le big, le Shane Brydon. Il partait déjà. Moi, je tentais de faire mon vlog en Sia. Après, on fait descendre sa vitre. Après, il a choli dans Anita. Là, c'est moi maintenant sur la route avec mon iPhone 13 Pro Max 256Go que j'ai acheté. Allô, merci. Je tente d'appuyer pour rentrer en case. Voilà, je vous ai pas tout montré aussi. Voilà. Moi de 5 000. Je pense 5 000, tu me donnes 5 000. You know you can be prosecuted for that. Mon Dieu! Oh là là! Y'a pas? Allons à la maison. Hein? Allons à la maison. Je n'ai pas de 5 minutes. Oh là là! C'était un piège. Hein? Je suis de la PJ. Tu vas m'expliquer comment, toi qui es mendiant, tu as une voiture. Tu vis dans une maison. Tu vas me suivre, hein? Pour pause. Je te demande 200 000. T'as l'argent là-bas. On peut reposer ça là. Alors, tu m'expliquer comment tu fais. Là, ça devient dur comme ça, la 10 000. Allô, allô, marche. Dépêche-toi, faut te dépêcher. Tu vas expliquer au commissaire comment tu as fait pour te trouver avec 20 000. 20 000 en ce moment-là, le pays a devenu 10. Je suis un menteur. Non, toi, toi. Donc, dépêche-toi, tu vas expliquer comme ça. Hein. Tu as 20 000, là, les temps deviennent difficiles comme ça. Alors. Ouh! C'est Michel. C'est Michel. C'est Michel, ton ex. C'est quoi ça? C'est proche que je précise, il y a quoi? Mon Dieu! Bonsoir. Oh là là! Bonsoir, quoi réforme, c'est quoi? Il est 3h du matin, Michel, il y a quelques problèmes. Je suis venu récupérer mon peigne. Tu es venu faire quoi? Récupérer mon peigne, c'est chez toi. Tu et moi, nous encore ensemble. C'est la raison pour laquelle je suis là en fait. On ne peut pas être ex et mes chansons chez toi, c'est impossible. Encore que c'est moi qui ai payé ça. C'est impossible. Tu comment 10 km à 3h du matin, toute seule, vêtue de la sorte, pour venir prendre un peigne. C'est mon peigne, ça m'appartient. Que j'ai payé avec mon argent. Ne crie pas. C'est normal que je vais payer mon peigne. Ne crie pas. Je dis, le locataire, je ne suis pas le seul ici dans cette procédure. C'est nouveau, le locataire. Quand on faisait à 5h, il sortait là, c'est nouveau.
Ah non, regarde, je vais vous parler avec toi. On paye. Quelle paye? Mon peigne à cheveux. Ah, pas toucher à mes cheveux. Non, non, non. Touche pas à mes cheveux. Non, non, pas toucher à mes cheveux. Dépêche-toi, je suis dans la porte. Ah, ma pile donc, allumée. T'as le droit de toucher mon paye. Quel go. Ah, oh, regarde, c'est 500. Seulement 500, vous êtes incapable de payer. Un paye de 500, j'ai mis ça là. Prends le paye. Mais je crois que c'est où. Mais, je ne l'ai pas pris, s'il te plaît. Je ne suis pas celui-ci. Il y a des voisins. Ça me fait quoi? Vous avez mon paye. Vous n'avez même pas honte. Un paye de 500, ça vous dépasse. Bon, d'un capable. Non, il aime les cheveux dessus. Il aime les cheveux dessus. Michel. Bon, tiens, tu vois le peigne, non? C'est pas mon peigne. C'est pas ça, il y a l'autre. En fait, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Là, j'ai la clim. Vous n'avez même pas honte. S'il te plaît, j'ai la clim allumée. Hein? C'est de l'air conditionné qui est en train de sortir. Et je te fais comprendre que demain matin, 6h, je travaille. Il est 3h du matin. Tu as pris ton peine, madame. Sors. Belle et mieux, s'il te plaît. Comme t'as du mal, t'as mis la clim, tu penses. Hein? En plus, c'est même le chinois. Michel, sors, s'il te plaît. Ah, laisse-moi, pardon. Tu finis, tu fais la petite chose, on va chercher le peigne ensemble. C'est pas mon peigne. Je pensais, mais c'est pas mon peigne. Moi, je sais pas comment on va faire. Moi, je t'ai invité toi seul. Tu es venu avec ta copine, avec ton ami, je sais pas. Tu vas rembourser ma copine, c'est ma soeur. Je t'ai dit mais ça. C'est pas une raison, Michel. Moi, je voulais juste sortir du travail. Là, je suis en pause. Je voulais rapidement manger un truc avec toi. Tu viens avec ta soeur, tu m'as pas informé. Qu'est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Et bon, on va faire comment? C'est d'abord quoi ça? Là, déjà là. Ça, c'est l'œuf du. L'œuf de l'aigle. Allez, vous gardez. Allez, déjà là, mangez. Mais on mange, qu'on mange quoi? Hein? Ouais. On mange, qu'on mange quoi? Non, je mange. Toi, si tu manges quoi? Non, maman. Ah, Seigneur. En fait, donc je me déplace, je viens, c'est pour manger ça. Qu'au l'œuf de l'aigle. Mais tu manges pas au garé. Avec les œufs. Avec les œufs. Même mon chien ne mange pas ça. Serviteur. Non, c'est pas un serviteur, c'est le serveur. Moi, je l'appelle serviteur. Serviteur, s'il te plaît, tu peux m'emballer ça. Arrête de manger, c'est quoi? Tu manges quoi depuis comme ça? Laisse-le manger, c'est comment? Serviteur, emballe ça, s'il te plaît, j'en ai ça, mon chien. Oh, tu t'es là. Emballe-moi ça, s'il te plaît. Il va manger. Oh, arrête de toucher. C'est quoi? Mais tu as dit que ton chien ne mange pas sur. Il va manger ça. Et c'est ça, il va manger. Oh, c'est quoi? Pourquoi tu es gourmand comme ça? Même toi, la grande goutte de tissage de 150 000. Tu fais les choses comme ça. Mais toi, il y a quoi? Mais franchement, c'est comment? Mets-le tout à l'heure. Mets à l'intérieur. Bande de crevettos, tu n'as même pas honte. Donne-moi une goutte qui met. Tu me déçois, quoi. C'est fini, tu ne m'accompagnes plus. Lève ton pas, tu n'as même pas honte. Non, bah, oh, quitte là. On se voit quand? Je Jesus is Lord. You know you can be prosecuted for that. Donc j'ai pris la vie. J'ai pris ça pour toi. Ah, la vie du paraître. Comment j'ai maintenant l'habitude du chien. Mon Dieu.
là là. Vous aimez toujours vous inventer des vies, je ne sais pas pourquoi. Ah non, moi je ne mange pas ça, c'est sale. Dans ce jour de mon chien, deux grandes femmes, vous n'avez pas honte. Allez. De vous la couper là-bas, pas. Je vais le manger. Ah non, lui, alors. Le chien, machin, le chien. Imbécile. Ta blague, la vie. Fais passer mon numéro. Hein. Crévitos comme ça. Tu n'as même pas honte. Tu me regardes dans la poche. Un crévitos. Laisse-moi, c'est un crévitos. En fait, Idrisho. Ouais, man. Comment, c'est le 25 que je dis, il y a plein de trucs. Oh, toi tu as arrêté, non, on a prévu un truc avec ça, ça. Non, mais vous ici dans l'entreprise, vous faites des choses maintenant, toujours maintenant. Oh, bon, la cotisation c'est 2 000, est-ce que tu es chaud? Moi je suis chaud, du moment que le coût est élevé, est-ce que c'est un problème? Ah ok, il y a les petites mêmes qui nous attendent là-bas aussi. Vrai, vrai. En tout cas, on va se gérer tout à l'heure, il n'y a pas de soucis. Ok. Coco? Coco? Oui. Ok, je suis... Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je suis postulant. Avance là-bas, s'il te plaît. Je suis postulant pour le recrutement que vous avez lancé il y a une semaine sur votre page. On a lancé il y a une semaine. Tu viens après une semaine. Après, oui, pour réunir les dossiers. Là, tu cherches le travail. Regarde le dossier de quelqu'un. Et fais ça là-bas vite, monsieur. S'il te plaît, ne parle pas, laisse-moi tout le temps, monsieur. Ma lettre de motivation. Je salue. On a dit lettre de motivation, on n'a pas dit lettre de souffrance. Pourquoi tu mets que tu as 5 gosses, il souffre, l'enfant n'a plus le lait, notre premier outil. Vous savez qu'en ce moment, quand un jeune Gabonais souffre et qu'il met ça en ligne ou il fait part de ça. Mon petit, tout ça c'est long. Tout ça c'est long. Ici là, si je te montre en bas, j'ai les dossiers déjà depuis 2008. C'est en bas. Donc tu donnes la motivation, je mets le dossier en haut. Mais vous avez lancé ça il y a une semaine, votre recrutement. 2008, tiens, regarde. Je vous ai dit dans l'être que je souffrais, c'est normal, moi je veux pas faire. Mais tu souffres, mon premier mot. Je veux pas faire le match UV pour montrer que je ne souffre pas, je vous montre la lettre, c'est parce que. Tout ça là, c'est du match UV. Si tu n'as pas la motivation, prends ton dossier, tu retournes. Avant que ça parte là-bas chez le patron, ça passe d'abord par moi ici, je fais monter les dossiers. Attends, tu n'as pas. Désolé, ok, bonne journée. Faut partir. Attends, il y a des gens. Rebonjour, monsieur. Monsieur, rebonjour. Tu crées pourquoi? Je t'ai vu. Oh, mon petit. C'est toi. C'est moi. La motivation. La motivation? Comment? Ah, je vais là. De toute façon, monsieur, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec quelqu'un. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, monsieur. Blood of Jesus! Mais c'est quoi le problème ici? Moi, j'étais en pleine consultation, comme mon neveu vient en stressant, me disant que on n'a pas embauché ici. C'est votre neveu? Non, moi, je... Mon petit, j'étais juste demandé d'aller. Il est venu s'habiller comme ça. Il a dit que mon petit, va t'échanger, viens habiller convenablement parce que le DG, tu as vu comment c'est écrit là-bas. Il ne travaille pas encore, monsieur, s'il vous plaît, pour avoir les habits qu'il faut. J'étais juste demandé d'aller. C'est un accompagnement à quoi il va à son dossier? Non, moi, je n'ai pas de problème. Il est compétent. Moi-même, j'ai vu le dossier du petit, il est compétent. Très compétent, j'ai vu là, bah, plus quelque chose. Il est compétent. Ah non? Quand tu t'es dit ça? Je t'ai dit ça quand tu étais là, puis non, il est compétent. C'est juste que non, il ne peut pas. Il ne peut pas recevoir quelqu'un comme ça. C'est ton nom est là. C'est ton coco. Rappelle-moi un peu ton nom. Digou. C'est là? Au carré. Je sais, tu as pas son nom. Mais son nom. C'est là, le nom. Au carré. Non. Ouais, montre-moi son salaire. Tu l'embauches tout de suite. Moi, je suis passé. C'est là, il va prendre 350 000 d'abord. Voilà. Celui que j'ai des consultations à terminer. Moi, j'ai pas comme une dépense pour les bêtises. Non, vraiment désolé. Moi, j'ai juste dit au petit que non. Va juste échanger. Tiens. Ça reste là. Ça reste avec toi. D'accord, tu travailles ici. Tu commences, beaucoup. Tu commences lundi, c'est tout. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Yes. Qu'est-ce que c'est? On n'était même pas obligé d'en arriver là. Tu viens avec ton oncle qui a le panneau rouge. Jesus!
quoi? Tu vois quoi sur le lit? Je parle avec qui? Attends, tu veux lui faire? Oh Seigneur. Tu vois, elle est là, il Nana Kafra. Chérie, je te jure que c'est pas ce que tu crois. Chérie, regarde. Chérie, pardon. Pardon, je regarde, c'était une erreur. Pardon. Pardon, excuse-nous. Pardon, grand frère, pardon, s'il te plaît, pardon. Moi là, tu me vois, je suis maudit. Dans la famille, on était déjà avec ma photo depuis longtemps. Pardon. Après, je fais des choses comme ça, je ne sais pas. C'est pas que j'ai fait exprès. Pardon, t'entends, s'il te plaît, pardon. Je vais faire tout ce que tu vois. S'il te plaît, pardon. C'est elle qui m'a demandé de venir ici. Moi ? Pardon, t'entends. Moi ? C'est elle. Moi ? Chérie, pardon, excuse-moi. Chérie, regarde, c'était un plan. C'est bon, frère. Merci de m'avoir pardonné. Chérie, tu m'as aussi pardonné, non ? Chérie. Hey! Oh! Je comment ça? Que non, tu ne peux pas te mettre dans des états comme ça pour une femme étrangère. Hein? Tu ne peux pas. Regarde, il n'y a pas qu'un seul poisson dans une rivière. Tu comprends? On est hein? Hein? Même si elle affiche son gars, si tu veux donner ça, tu vas donner ça. Tu es là maintenant, tu es comme. Attends, je suis en train de parler. Alors, oh, Franel, je parle donc, vous avez les bouteilles à la main. C'est comment? Attends, donc moi, je paye ta bouteille. Mais toi, tu peux attendre la bouteille à la main. Je paye le verre, vous avez les bouteilles à la main. C'est quoi? C'est bon. Je devais avoir mon petit gourmand là. Tu cherches quoi? Il a télé parlé. Dis moi que c'est bon, les gens comprennent en fait, mais tu es là avec moi, tu as les avantages en tant que femme, mais tu es avec quelqu'un. Et moi, c'est moi qui débarque. Oh, Franjin, tais-toi là-bas, on t'a pas demandé, on t'a pas donné la parole. Ça fait mal, les gars, arrêtez, même toi, tu vas mal. Franjin, écoute, hein, dans Libreville, là, tout le monde est en couple avec quelqu'un. C'est le game, tu comprends, non? C'est clair, c'est clair. Dans une rivière, bien dans un lac, il n'y a pas qu'un seul poisson. Mmh, hein? Et le secret d'une relation sérieuse, c'est quoi? C'est la bordellerie. C'est la bordellerie, les gars. Essaye. Oh, 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 il n'a pas suivi ton souverain. C'est un peu comme Madara avait déclaré la 4e grande guerre ninja. Lorsqu'il a réuni tous les cas. Franjin, sans quoi, je suis en train de prendre l'exemple sur sa situation. Mais le rapport, ça n'a rien à voir, le rapport, il est un gourmand. Attends, moi je paye le vin. Je parle, je conseille mon frère. Tu as bouteille en main. Tu trouves que c'est normal si elle renverse sa fille. Mais ça, c'est sûr. Demande la bouteille là-bas, mais tu parles toi. Les gars, la nana ne sait pas, ou la fille, elle ne sait pas ce que moi j'étais prêt à faire pour elle, les gars. Elle ne sait pas. J'étais prêt à faire quoi? C'est maintenant que je travaille. J'étais prêt à tout faire pour la petite, la même. Tu le viens voir comment tu deviens comme un rigolo, c'est quoi? Elle ne sait pas. Le temps m'a donné raison, moi je vous dis ça. Je vous dis ça. Je vais faire rapidement ma mixture. Ah, ça boit le vin, hein, les gars, buvez le vin. Ah non, ça va aller, ça va aller, les gars. Mais les autres qui sortent, on les met les way. Mettez les mains dessus dedans, vous buvez le vin comment? Hein? Voilà, mademoiselle, si, c'est chez moi.
Bon arrivé. T'es gens pas gêné, mets-toi à l'aise. Tout ça, c'est ma partie. Ouais. Vous là-bas, les locataires, bon, tout n'est pas encore occupé. Je cherche encore à mettre certains locataires. Et bon, ça va. Ouais, mais j'ai même ma soeur là, donc tu peux lui trouver une chambre. Non, il n'y a pas de souci. Ça, c'est cool. Tu es là pour moi, non? Toi, tu es là. Donc, ta soeur vient, il n'y a pas de souci. Elle dort là même un an, deux ans. Okay. C'est tranquille. Tout ça, c'est ma partie. Même mon père, il vit dans une maison que moi j'ai construite. Hein. C'est pas gratuit. Il loue ça. Je ne suis pas son ami. Alors, attends, non. Ah. C'est comment? Hein? Non, oui, j'ai juste garé la clé. Je vais me voir pour voir ça là-bas. Pour ça là-bas. Attends-moi juste un instant. Une jeune aujourd'hui, tout aussi. Non, et tu n'as pas laissé la clé. J'ai fouillé là où tu laisses, il n'y a pas. Oh, comment ça? Et qui est? Oh, excuse-moi, c'est là avec moi. Attends, j'arrive. Je vais gérer ça tout de suite, j'arrive. Non, Dieu, fais vite aussi. Depuis le matin, je t'ai dit que je venais avec la vienne là. Là, on est déjà là, il n'y a pas la clé, j'ai besoin de la clé. Oh, Mani, ah bonjour. Passe-moi bon. Oh, c'est mieux, le bon. Attends, ça, c'est le gari. Je mange, j'ai fait. C'est le gari, tu as bien que c'est le gari. Mais tu peux pas finir tout ça. Je vais terminer ça. Bon, même deux cuillères. Ah, lui, mais stress. Allô, tu t'es aussi. Fais vite. Non. C'est pas ma go, il faut qu'elle fasse elle. J'ai fait quoi? Attends, toi aussi, tu me connais, on se connaît quand même. Tu sais que c'est pas ma meuf. Attends, tu parles avec qui là? Je te dis, j'arrive. Jesus is Lord! You know you can be prosecuted for that! Oh, je vais prendre vite le truc du gars. Ben, elle va chez les aides, Momo. Jesus! Mano, Jesus! You don't know ya. Jesus! La clé où, Mani? La clé où? Joe! Seigneur Jésus, maman! Mais là c'est. Attends, je vais dire. Ah, mais maman, mon téléphone. J'ai encore voir la soupe, acheter notre téléphone. Seigneur Jésus. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Vous voyez pourquoi? Bonjour d'abord. Bonjour. Ah, là, c'est le monsieur du matin. Bonjour, bienvenue chez Electro-Mécano à Djamé. C'est le garage et les blancs. D'accord, ok, d'accord. Le patron veut savoir qu'est-ce qui se passe ici. Ce qui se passe quoi? J'ai changé la moteur. La batterie? Et vous avez vu pour changer la batterie? Non, j'ai jeté la batterie. Oh, oui, la batterie. Le moteur aussi, j'ai vu que non, c'était. C'est un 7 chevaux. C'est ce qui est là? Oui, c'est ça. Ça va enlever le moteur, pourquoi? Parce que ça coulait. C'est un peu de couler. Et puis les châssis là. Monsieur, on vous avait simplement demandé de changer la batterie. Pourquoi vous avez changé le moteur? Oh Seigneur. Est-ce que toi tu dois le domaine? Regarde, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais avec tout le matériel là? Tu fais quoi à l'intérieur? Il n'y a pas pour aspirer le tuyau. Eh Seigneur. C'est pas bon. Mon Dieu. S'il te plaît, pardon. Sors de là, remets le moteur en place. S'il te plaît. Non, pas bon, j'avais des problèmes. Sinon, il va tous nous allumer. Ne fais pas ça. Non. Oh, j'ai seulement commandé le patron, c'est pas pour me. Pardon. Mais comment ça s'est chauffé pourquoi? Non. Sors, s'il te plaît. Sors. Le moteur, tu remets en place. On ne t'a pas demandé de changer le moteur. Le moteur en place, je vais juste terminer mon travail. Arrêtez de me déranger. Ton patron est où? Appelle ton patron, c'est le monsieur qui demande. Appelle ton patron. Appelle ton patron, monsieur, s'il te plaît, pardon. Monsieur Hussel. Il arrive, laisse t'appeler.
Il y a un souci ici, là. Bonjour, monsieur. Le monsieur est venu le matin pour me donner la batterie, pour changer la batterie. Maintenant, en changeant la batterie, je me suis rendu compte que le moteur qui est là. Je levais ça seulement, mais j'avais des problèmes pour mettre ça les poules qui défonçaient là. Ça va aussi. Le moteur de la voiture l'a fait quoi ici? Non, monsieur, j'ai enlevé parce que ça coulait en bas. Mais c'est pas ça ton travail, on t'a demandé de changer la batterie. Tu connais quoi ici? Tu connais quoi ici? Tu me tutoies pas. Non, monsieur, enlève déjà là. Ça nous tous là, il faut nous allumer. S'il vous plaît, entre grandes sélections, vous serez remboursé. On va faire votre travail gratuitement. Moi, je rembourse. Non, pardon, s'il te plaît. Mais non, sors déjà de là. Je vais sortir comme un homme. Non, monsieur, fais quoi là? Veuillez régler ça, pardon. Veuillez régler ça. Non, monsieur, je veux juste te. Non. Sors, pardon. Sors. Ah, ok. Oui, c'est même mieux en faire lui-même. Ça, c'est ça. Pas c'est un petit imposé, ce voir. Je peux le chasser, pardon. Non, allez là, restez là. Va dormir. Remboursez-nous parce que sinon, si lui, il revient ici, on aura tous des problèmes. Même moi, je suis là. Non, je ne peux pas. C'est bon, pardon. Électro et mécano Adjami, le docteur de vos voitures malades. Nous faisons également dans l'électricité auto. Nous sommes situés au quartier derrière la prison. Alors n'hésitez plus, contactez le numéro qui s'affiche sur vos écrans fissurés et dites quelle est la maladie de votre voiture.